Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly-sur-Seine. Bonjour. Bonjour. On a eu un exécutif qui nous a dit, bon, effectivement, il y a le pétrole, tout ça, mais voilà, encore une fois, le reste de l'Europe a aussi été impacté par le pétrole qui est cher, mais nous, on a beaucoup plus ralenti que les autres. Encore une fois, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sondages quand même qui sont quand même dramatiques pour l'exécutif, une cote de popularité qui est en chute libre pour le président Macron. 31% des Français lui font confiance, baromètre ELAB qui vient de sortir au plus bas depuis son accession à l'Élysée. C'est plus bas que François Hollande au même moment, enfin, ça en dit long. Pourquoi, selon vous, ce désamour? C'est parce que certains disent, ah, il n'y a pas eu les résultats économiques. Pour l'instant, il n'y a pas de résultats économiques. Les Français, voilà, et au bout d'un an et demi, ils veulent avoir des résultats. Ou c'est aussi peut-être sa façon d'exercer le pouvoir qui pourrait être problématique. Oui, moi j'ai l'impression que les Français sont plus sensibles à une méthode de pouvoir qu'à l'impact des réformes ou des non-réformes, puisque, bon, en fin de compte, il n'est pas là depuis très longtemps. Les réformes qui ont été faites sont pour l'instant ni en termes d'impact direct, ni en termes d'effet. On va dire très, très significative et très prégnante. Donc je pense que les Français sanctionnent un style. Et ils sanctionnent un style dont, du coup, les petites affaires donnent une acception et une intensité particulière. Le L'affaire style, Benalla c'est-à-dire elle-même. Le style, pardon, c'est le style, c'est-à-dire. Mais le un style style très quoi? centralisé. Vous voyez, moi, je pense que notre pays, d'abord, il est construit sur une diversité d'atouts. Et donc, quand un pays est construit sur une diversité d'atouts, on doit déléguer. On doit déléguer pour que chaque territoire, chaque ville, chaque village soit un lieu sur lequel l'initiative s'exprime. Et vous voyez, moi qui suis maire, mais c'est partagé avec beaucoup d'élus locaux, et ce qui a expliqué l'absence de plusieurs associations d'élus à la dernière conférence des territoires, pour les collectivités locales, on sent qu'aujourd'hui, depuis l'élection du président de la République, que la centralisation, le centralisme, la technostructure a pris beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence. Et donc tout ce qui relève de l'initiative locale, des marges de manœuvre des élus locaux, est neutralisé. Et ça, les Français le sentent. Ils le sentent au travers du sort qui est réservé aux collectivités locales, parce que leur premier interlocuteur politique, c'est le maire, mais ils le sentent au travers de beaucoup d'initiatives et d'actions qui montrent cette centralisation. Et de ce point de vue, l'affaire Benalla, vous voyez, elle incarne, elle est une petite affaire en soi. C'est une personne qui dérive. Mais Oui, elle est l'incarnation, peut-être, d'un état d'esprit, d'une manière de gouverner qu'on ressent bien plus largement dans d'autres politiques publiques comme celles menées vis-à-vis des collectivités locales, par exemple. ouais. Bon, s'il fallait résumer, c'est un peu rapide, mais meilleure et pire mesure économique. C'est intéressant parce que vous êtes chef d'entreprise. Et donc voilà, à la fois homme politique et chef d'entreprise, donc c'est intéressant d'avoir votre regard. Pire et meilleure mesure économique prise depuis le début de mandat par le président Macron. Et je crois que Le meilleur, c'est la le fiscalité. déficit public, la dette publique, vous voyez, que vous évoquiez juste à l'instant, dans la manière dont elle est traitée, relève une carence politique. Moi, j'ai été très surpris quand il a lancé cette initiative CAP 22, vous voyez, pour réduire les déficits publics. C'est un sujet éminemment politique, le déficit structurel de la France, celui qui s'enkyste comme ça durablement dans nos comptes publics. C'est un sujet éminemment politique, on en fait un sujet technique. C'est-à-dire, c'est comme si on demandait à un chef d'entreprise de laisser le comptable reconfigurer le modèle économique dans l'entreprise, alors que c'est au patron d'assumer politiquement un repositionnement de son entreprise. Ça veut dire que Et pour le président, ce n'est pas un problème capital aujourd'hui, la dette publique? je crois qu'il en fait un sujet technique là où c'est un sujet politique. C'est un sujet politique parce qu'il faut, et lui qui parle beaucoup de Nouveau Monde, il faut réorganiser le modèle, le projet de la France dans un nouveau monde, avec des atouts, je les évoquais par exemple tout à l'heure, des actifs territoriaux extraordinaires, avec des réformes de structure, comme celle des retraites, avec des réformes de la gouvernance publique, comme celle qu'on attend dans la simplification des strates administratives qui sont organisées en France. Donc c'est un problème politique qui procède d'une vision de la France et de sa reconfiguration dans un monde qui a changé. Or, ce qui est un peu décevant, c'est qu'on a l'impression que la dette publique, le déficit public, est un sujet de comptabilité, est un sujet de technicien. Et quand il a mis en place cette organisation CAP 22, fait d'experts Ouais. pour finalement Dont traiter ce qui relève de la politique, le compte moi, rendu ça m'a d'ailleurs surpris. n'a jamais été rendu public. Ce qui n'est pas un bon signal qui est envoyé. Oui, c'est ce genre de rapport qui se dilue ensuite dans le temps, on en prend quelques mesures, et puis les échéances électorales arrivant, on va diluer ça dans quelque chose qui ne sera plus du tout significatif, qui était déjà très technique au départ, de ce qu'on en a lu en tous les cas quand ça a fuité.
mais qui, en tous les cas, n'est pas porté politiquement. Or, on sait bien que... Donc, il n'y a pas de stratégie claire. Il ne réussira pas à baisser la dépense publique. Pas la dette, la dépense, mais en même temps, les deux sont liés. Oui, puisque c'est la dépense qui génère la dette. Et on sait que c'est une dette qui est liée aux dépenses de fonctionnement. Ce n'est pas une dette qui est liée à de l'investissement. Donc, on porte une mauvaise dette. Non, moi, je pense qu'on arrive dans la zone à partir de laquelle ces réformes structurelles seront devenues impossibles. Parce qu'il y a des élections européennes extrêmement difficiles. En 2019, Il fallait en début de mandat aller beaucoup plus vite sur la baisse de la dépense publique. C'est peut-être ça une des erreurs de politique économique, mais bon, il y avait tellement de chantiers. Je crois qu'effectivement, ce mandat devait être celui de la réduction de la dépense publique. Et ce n'est pas le cas. Mais devait être celui de la reconfiguration, de la redistribution du modèle français. Et j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Et qu'on arrive à la fin de la période à l'intérieur de laquelle ce grand projet politique de reconstruction, de reconfiguration, de nouveaux modèles politiques pour la France dans la mondialisation pouvait être mis en place. Et donc, je pense que les Français le sentent. C'est-à-dire, ils disent l'espérance, un peu l'espoir, l'attente qui naissait d'un président qui évoquait beaucoup le nouveau monde. Finalement, ils voient la période passée, cette période de grâce dans laquelle on peut lancer ces grandes réformes structurelles, et ils ne voient rien changer. Vous êtes déçu, vous ? Je suis en voie d'être vraiment déçu, vous voyez. Parce que... Et il y a eu l'affaire Benalla. L'un des premiers, d'ailleurs, à avoir appelé à voter le Macron. Oui, moi, je n'ai pas hésité, vous voyez, à lancer cet appel, parce que je pense que je l'avais pratiqué, entre guillemets, lors de la loi dite Macron, dans le dernier mandat. Et je sentais une ouverture, absolument. Et puis, il y avait plein de dossiers dans cette loi Macron qui montraient de sa part une volonté de réformer autant le permis de conduire que le financement des entreprises, que les mobilités à l'intérieur de la France. Et donc, je voyais un regard plutôt ouvert, audacieux, sur toute une série de compartiments politiques. Et je me suis dit, si, comme président de la République, il a la même audace sur les mêmes compartiments de la vie publique et qu'il crée une cohérence entre tout ça, probablement on aura un véritable président réformateur. Il manque d'audace, le président, à vous écouter. C'est là l'enseignement. Moi, je crois, mais ça, je ne suis pas seul à le dire. Tout le monde s'en aperçoit qu'il est prisonnier de la technocratie. Oui, quand on dit tous les jours que c'est Bercy qui dirige la France, effectivement, mais il procède quelque part dans son itinéraire personnel de cette technostructure. Et donc, à partir du moment où il laisse la technostructure prendre le pouvoir, moi, je l'ai expérimenté très concrètement avec la candidature de la France à l'exposition universelle. Ouais. On préparait cette candidature 2025. Depuis 7 ans. Pour 2025, et d'un seul coup d'un seul, sans même m'en avertir, l'exécutif a stoppé ce projet un samedi soir, je l'ai appris par un tweet de vos confrères du JDD. Et vous voyez, j'ai vu à ce moment-là, j'ai senti l'absence de souffle, et puis finalement des arbitrages qui se faisaient même pas à l'aune d'une écoute ou d'un dialogue. Ça m'a profondément déçu sur la capacité d'anticipation de long terme, et on le vérifie aujourd'hui dans plusieurs éléments de politique publique ou de méthode qui malheureusement trahissent un petit peu cette absence de vision. Jean-Christophe Fromentin, dans les bonnes choses, il y a évidemment la fiscalité. On ne peut que se réjouir, j'imagine, le chef d'entreprise que vous êtes sur l'impôt sur la fortune qui a été largement réduit et restreint à l'immobilier, la flat tax. Est-ce qu'il en fait suffisamment pour les... Sur l'ISF, vous voyez, moi j'étais partisan d'une suppression totale parce qu'il faut voir que l'immobilier, par exemple... C'est un totem, vous savez, c'est un totem déjà. Oui, mais vous êtes un chef d'entreprise, pour un patron de PME, son immobilier, c'est son assurance vie. Et être propriétaire de son appartement ou de sa maison, c'est le placement qui est délié justement du risque qu'il prend dans une entreprise, c'est son assurance vie. Et donc, c'était un mauvais signal envoyé à tous ces patrons de PME dont on dit qu'il faut les aider, les soutenir, etc. Parce que souvent, leur patrimoine immobilier, c'est l'assurance vie par rapport au risque qu'ils prennent dans leur vie d'entrepreneur. Dans leur activité. Est-ce qu'il en fait suffisamment, le président Macron, pour les entreprises? Il y a quand même la bascule l'année prochaine, on en parle avec Xavier Timbaud, du CICE en baisse de charges pérennes. Il en fait suffisamment. Le taux d'impôt sur les sociétés sera ramené, si tout se passe bien, si on ne fait pas marche arrière, à 25% en 2022. Mais on oublie de dire que les Américains, ils sont passés de 35 à 21 sous Trump. Oui. Il y a un mouvement général de baisse de l'impôt sur les sociétés. Encore une fois, est-ce qu'il faudrait en faire plus? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait qu'il devrait faire? On pense souvent aux impôts à la production. Nous, ici, on en parle régulièrement. Vous le savez, 70 milliards d'euros qui pèsent sur les boîtes avant même qu'elle ait sorti le moindre cent de bénéfices. 70 milliards d'euros. Vous le savez, ça? Oui, bien sûr. Mais la lecture, la vraie lecture de tout ça, c'est encore une fois la dépense publique. Vous l'évoquiez à raison tout à l'heure avec le précédent invité. C'est 57%. Un chef d'entreprise, il sait très bien qu'un jour, il aura de toute façon à payer ses 57% de dépenses publiques dans le PIB. Donc, on a beau faire tous les raccommodages de fiscalité. Il faudra augmenter les impôts, c'est ça? Oui, et les entreprises sont souvent les premières à payer. Voyez. Parce qu'elles ne manifestent pas, c'est pour ça. Oui, mais si les Américains y arrivent
et vous avez raison de le rappeler, c'est que le niveau de dépenses publiques dans le PIB est très faible, ouais. bien plus faible. Donc finalement, ils ont des marges de manœuvre. Et le système politique français fait que comme il y a des élections tout le temps, la fiscalité est liée au pouvoir d'achat, donc à la consommation, est très délicate à manier. Donc souvent, les entreprises sont la variable d'ajustement pour répondre à cette pression des 50% de dépenses publiques sur le PIB. Donc, est-ce que c'est bien ce qu'il fait, Macron pour les entreprises, encore une fois ? Là, je parle à l'entrepreneur. La meilleure mesure qu'il peut prendre pour les entreprises comme pour les particuliers ouais. en France, c'est de dire, voilà, ces 57% vont devenir un jour 50%. Et voilà la trajectoire qu'on sera à 52% en fin de quinquennat, nous a dit le président. Oui, mais aujourd'hui, on n'en voit pas les mesures. Parce que, vous voyez, je vais vous donner un exemple très concret. Nous, en Île-de-France, les élus, on a la région, on a les départements, on a la métropole, on a ce qu'on appelle les établissements publics territoriaux et on a les communes. On a une complexité territoriale qui coûte très cher. Millefeuille, qui est le pire du monde. Alors, il nous dit depuis un an qu'il va la réformer. Très bien. Mais les conférences des territoires passent et on ne voit aucune réforme en vue. Et ça, ça trahit, vous voyez, une absence de réforme structurelle qui sera la seule à faire baisser les impôts. Indirectement, d'abord ce taux de dépenses publiques et du coup, l'argent dont on a besoin pour financer la dépense publique et donc, bien entendu, la fiscalité des entreprises et ouais. des particuliers. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'avec des sondages comme ça et une popularité qui est en berne, on se dit que c'est peut-être plus... Ça pourrait brider cette volonté réformatrice aussi. Plus dur de réformer quand on est impopulaire. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut tout faire dès qu'on bien arrive. Bien sûr. Il faut imprimer sa feuille de route dès les premiers mois. Et il faut l'avoir préparée avant. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle ne se fait pas tout d'un coup. Il y a un défaut de préparation. Est-ce que la préparation n'a pas été mise davantage vers la conquête du pouvoir Oui, peut-être, mais... C'est Chirac qui disait, on gagne, après on verra, c'est ça. Oui, mais l'avenir le dira. Mais je pense que les réformes dont a besoin la France demandent d'abord de la préparation, mais j'espère qu'il y a quand même dans les cartons quelques idées sur la manière de procéder, et demandent une forme d'exemplarité. Vous voyez. C'est-à-dire que les Français regardent comment vous incarnez le pouvoir et ils jugent les efforts qu'on leur demande à l'aune de l'exemplarité de ceux qui les gouvernent. Et ça, on le voit, l'affaire Benalla, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est malheureusement bien au-delà de la portée intrinsèque à cette affaire, se fracasser, signal de fracture qui, à mon avis, pèsera très lourd. Bon, un mot des retraités, c'est intéressant parce qu'ils tendent à penser, les retraités, on peut se mettre à leur place, qu'ils sont un peu la vache à lait. Les mal-aimés du gouvernement, ils ont eu la hausse de la CSG, et puis voilà, maintenant, il y a les gels des pensions. Alors, il est question que les députés renvoient un petit peu pour les petites pensions, que ce soit mieux indexé, mais c'est un quasi-gel, en fait, on va le dire, un quasi-gel des pensions. Ils trinquent sous Macron, les retraités ? Ah oui, je pense qu'ils trinquent. Et vous voyez, c'est d'autant plus difficile à comprendre pour eux quand il n'y a pas les efforts faits au niveau de l'État. Ça nous ramène au sujet qu'on évoquait juste avant. Après, vous voyez, l'effort doit être partagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de 20% de chômage chez les jeunes. On a des retraités qui ont besoin d'être contributeurs un petit peu, peut-être un petit peu plus, dans la mesure où, en contribuant, ils facilitent aussi l'emploi. Et l'emploi, c'est ça qui assure la pérennité de leur retraite. Et puis, on a maintenant, après les retraités, ce niveau de dépendance, ce nouveau risque, le risque supplémentaire, dont on voit aussi que l'isolement, l'espérance de vie reconfigure, rebat les cartes, quelque part, de la solidarité dans un pays comme le nôtre. Donc là où on avait avant deux masses, qui étaient la masse de ceux qui travaillent et la masse des retraités, on en a quasiment quatre aujourd'hui à considérer dans la solidarité nationale. Les 20% de jeunes qui n'ont pas de travail, ceux qui travaillent, il y a une vraie pauvreté. Les actifs, il y a une vraie pauvreté avec une nouvelle pauvreté, les actifs, les retraités et la dépendance. Et donc là où on a construit des modèles avec deux blocs, actifs, retraités, il faut quasiment considérer quatre blocs. Ouais. Et ça, tout le monde doit l'intégrer. Mais l'effort doit être partagé de manière équilibré, équitable. Absolument. Et donc les retraités sont en droit de penser qu'ils sont des vaches à lait. Ça leur tombe dessus un peu tout d'un coup. Vous voyez. C'est-à-dire que les retraités, ils peuvent, comme tout le monde, comprendre qu'un effort partagé appelle aussi un effort de leur part. Pour autant, vous voyez, que tout ça soit mis dans une direction, dans un cap, et que l'effort soit partagé entre tous, et que les mesures qui vont être mises en place grâce à l'effort qu'ils font soient aussi très claires et très lisibles par eux. Or, aujourd'hui, vous voyez, moi, je me mets à la place d'un retraité. Si c'est pour financer du déficit public récurrent, il n'a pas de raison d'avoir envie de faire un effort. Ouais. Et je le comprends. Bon, dernière question, Jean-Christophe Fromentin, puisqu'on parle des retraités, là pour le coup de la retraite. Le président Macron a toujours dit, et il le soutient encore aujourd'hui, qu'il ne touchera pas à l'âge de départ à la retraite. Est-ce que pour vous c'est une erreur et c'est ce qui explique peut-être aujourd'hui tous les coups de rabot qu'on a eus dans le budget avec le quasi-gel. On a parlé des pensions, mais il y a aussi
les allocations familiales, les aides au logement. C'est ce qui explique qu'on va gratter un peu dans le budget parce que derrière, on dit que ce n'est pas un problème financier les retraites, encore que ça se discute à moyen terme. Je crois que tous les curseurs doivent pouvoir bouger. Vous voyez, ils ne bougeront pas les curseurs, ni la durée de cotisation, ni la date de départ. Mais ça, c'est une erreur, vous voyez, parce que pour quelqu'un qui parle du Nouveau Monde, dans le Nouveau Monde, il y a cette nouvelle espérance de vie, il y a cette nouvelle structuration, ces nouveaux modèles de travail. Il vous dit qu'il n'y a pas de problème de financement. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas de problème de financement à court terme, ce qui est vrai. À horizon de 2-3 ans, c'est 2 milliards d'euros, ce n'est pas grand-chose. Un président, il n'est pas là pour faire du court terme. C'est le chef du gouvernement qui est là pour gérer le court terme et le quotidien. Le président, il est là pour imprimer justement un cap. C'est ce qu'on disait au début de notre échange. Et donc, il ne peut pas imprimer ce cap et dire « je n'utilise que les outils de court terme ». Soit il est président de la République française et il emmène la France dans une direction et il pointe les évolutions d'un nouveau monde. Et à ce moment-là, il ouvre tous les curseurs pour être à la manœuvre dans cette reconfiguration. Et il demande au Premier ministre, sur le court terme, de faire les bons réglages. On sent une déception chez vous, Jean-Christophe Fromentin. Oui, parce que je pense que la France, elle a besoin d'une vision et d'un souffle. Voyez. Et je ne sens pas le souffle. Et beaucoup de Français ne sentent pas le souffle. Et la vision, voyez, elle est un peu technocratique, elle est un peu court-termiste. Encore une fois, la structuration de la France, le réinvestissement en France. On pourrait parler des infrastructures, puisque ce drame à Gênes cet été a pointé. Voyez. Qu'est-ce que c'est le problème des infrastructures en France? C'est un abandon de nos territoires. Or, quels sont nos actifs en France? Ce n'est pas d'avoir une métropole comme 200 autres métropoles dans le monde. Elles seront totalement indifférenciées, ces métropoles, à terme. C'est de réinvestir nos avantages comparatifs dans le tréfonds de nos territoires. Où elle est cette vision qui construit la France à partir des actifs singuliers qu'elle peut mettre dans le jeu de la mondialisation demain? C'est ça qui me déçoit. Le ministre de la cohésion des territoires, vous voyez, c'est un ministre du vieux monde qui n'imprime pas de souffle. Vous n'êtes pas fan de Jacques Mézard? Mais non, parce que je n'entends aucun discours, aucune vision, aucune volonté, vous voyez, de reconquérir cette France qui est formidable et qui offre pour son industrie, pour son tourisme, pour son patrimoine, des atouts considérables. Et donc, je sens une France qui se rétracte, comme le font beaucoup de pays du monde, comme l'ont fait les précédents présidents de la République. Et je ne vois pas le souffle nouveau dans ce qu'imprime le président de la République aujourd'hui. Bon, merci. Merci à vous d'avoir été avec nous. Donc, Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly, qui était l'invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.